Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode confinement, hein, voilà. Maquillée pour la vidéo parce que en ce moment c'est plutôt effort minimal. Et pour les vêtements, j'ai pas fait d'effort, je suis même en legging, en bas. Voilà, parce que je vais faire ma petite séance de yoga tout à l'heure. Et sur mon canapé qui grince, donc vous voyez, on est au top de la forme. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chez vous si vous regardez cette vidéo. Et je vous envoie tout mon soutien pour tous les cas de figure qui peuvent se présenter auprès de chez vous, que vous soyez chez vous et que ça soit compliqué de rester chez vous, si vous êtes malade, si vous êtes enceinte, si vous êtes jeune parent, si vous continuez à travailler parce que vous êtes dans le corps médical, que vous travaillez dans le domaine de l'alimentaire, que vous êtes, je sais pas, agent de service, si vous êtes agent de sécurité, ou voilà, tous ces métiers qui ne peuvent pas s'arrêter pendant cette période-là. Donc je vous envoie tout mon soutien, j'aimerais pouvoir vous proposer davantage de vidéos, davantage de contenu. Malheureusement c'est compliqué parce que, comme tout le monde, on est tous à la maison en même temps. Quentin essaye de travailler, de télétravailler du mieux qu'il peut, et c'est pas hyper facile pour lui. Moi bien sûr je continue à travailler à côté, donc c'est difficile de tout concilier, et puis j'ai pas envie d'enfermer Inès dans une pièce pendant que je filme une vidéo, donc voilà, je cale ça sur certains horaires, mais ça va pas être très simple de faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire une vidéo et un article par semaine. Donc voilà, pour la petite intro de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés, qui sont ici. Donc comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie, corps, cheveux, visage, etc. Et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les soins visage. Tout d'abord, j'ai fini un masque hydratant pour le visage à l'acide hyaluronique de la marque Bio Effect. Je crois que je l'avais reçu dans une box. Oh My Cream propose assez régulièrement des box de miniatures, mais vous voyez, il y avait même des full size dedans, pour un certain montant d'achat sur leur site, et ils me l'envoient assez régulièrement, cette box. Et voilà, donc il y avait ce masque à l'intérieur. Bio Effect, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler, qui est assez populaire, qui n'est pas donnée. Et c'était un masque en deux parties. Vous aviez vraiment le haut du visage et le bas du visage. Ce qui est assez intéressant parce qu'un masque d'un seul tenant, c'est assez difficile à adapter sur toutes les formes de visage, bien sûr. Et celui-ci avait cet avantage-là d'être en deux parties. Hyper hydratant, très agréable à utiliser. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Je suis pas certaine de le racheter forcément, je suis pas une grande utilisatrice de masques en tissu comme ça, de masques en gel. Pour être tout à fait honnête, j'utilise ceux qu'on m'envoie, mais je fais pas partie des gens qui en achètent. Voilà, quand je les utilise, je suis souvent contente, mais c'est pas un réflexe que j'ai. Je préfère un masque finalement, un masque crème que j'applique moi-même. Donc j'ai pas vraiment de successeur pour le moment. En parlant de masque, justement, je sais pas comment il s'appelle... Le masque Overtime de chez Summer Fridays, pardon. Une marque dont on entend beaucoup parler aussi, qui est... est-ce qu'elle est vendue chez Sephora? Il y a eu tellement de nouveaux arrivages chez Sephora en termes de marque que je me demande si Summer Fridays en fait pas partie. Bon, bref, j'essaierai de vous trouver un lien. Moi, je l'ai depuis quelques mois, ce masque, et je l'avais acheté sur le site de Cult Beauty, qui est un site anglais et qui est très réputé, et sur lequel je commande depuis des années, et dont je suis très contente. Un masque vraiment nouvelle peau, qui a une très forte action enzymatique, qui sent la cannelle, qui est très puissant, qui, je pense, n'était pas forcément adapté à mon type de peau. Donc j'en ai pas été hyper ravie, mais j'étais peut-être pas forcément la personne cible pour ce type de produit. C'était un tout petit peu trop agressif pour moi. Il est écrit à l'arrière: les protéines apaisantes de l'avoine et les antioxydants de ce masque illuminateur luttent contre les radicaux libres pour une peau radieuse. Alors, peau radieuse, oui, c'est tellement agressif que... ça vous donne vraiment cet effet nouvelle peau, donc au niveau des effets on y est carrément, mais c'était voilà, presque un tout petit peu trop agressif pour mon type de peau. C'est un masque qui contenait aussi des petits grains, donc vous pouviez venir le gommer du bout des doigts. Moi c'était 5 minutes pas plus, et je venais pas faire ce mouvement de gommage derrière parce que c'était beaucoup trop abrasif. Donc je le déconseille pas, mais attention aux peaux, enfin j'ai même pas vraiment la peau sensible maintenant, mais si vous avez une peau réactive, c'est pas la peine. Il faut vraiment avoir une peau bien costaud qui a l'habitude de supporter ce type de produit. Successeur, je suis repartie sur des gommages classiques, notamment celui de chez Caudalie dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo routine soin que je vous mets sur l'écran. Voilà, je vais probablement pas racheter un produit de ce type là. Ensuite, j'ai terminé le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est un best-seller de la marque. C'est un produit de luxe, ça fait partie des rares produits vraiment coûteux comme ça que je vous recommande, parce que j'ai jamais trouvé un produit qui lui ressemble. Un sérum qui est très complet, qui est vraiment réparateur sur tous les plans. Vous soyez allé trop longtemps au soleil,
vous ayez la peau déshydratée, vous avez fait par exemple typiquement un produit trop agressif comme celui que je vous ai présenté avant, c'est hyper réconfortant pour la peau. C'est un produit qui est à utiliser notamment de nuit parce qu'il est pensé pour ça, mais vous pouvez l'utiliser le matin aussi, mais c'est vrai que la nuit la peau se régénère davantage. Voilà, chez Estée Lauder c'est bien le seul soin que je vous recommande parce que pour moi c'est pas une grande marque de soins, mais alors ce produit c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et je le rachèterai sans aucune hésitation malgré son prix, parce que c'est assez prohibitif comme prix. Ça c'était un flacon de 75 ml, il y en a bien pour 80-90 €, mais c'est un produit que j'adore et je ne lui ai jamais trouvé de remplaçant à sa hauteur. Je ne l'ai pas encore racheté mais je le rachèterai, c'est évident. Et actuellement je suis passée sur un sérum hydratant, le sérum Vénus de chez LM, qui n'est pas aussi complet mais qui est vraiment très satisfaisant. Ensuite j'ai terminé une miniature, bon j'ai pas trop d'avis sur ce produit, le sérum éclaircissant à la pastèque de chez Milk. Alors une marque qui me tentait carrément, j'avais envie de tout acheter et puis plus le temps passe, plus je fais des tests et plus je suis déçue de la marque parce que je trouve que ça a été très... Enfin on en a fait tout un pataquès et bon finalement je trouve que les produits sont pas incroyables, je sais pas, j'ai un sentiment un peu mitigé avec cette marque. Donc c'était un sérum sous forme de stick, ça c'était très pratique. J'ai pas vu d'effet éclaircissant, ça s'est consommé finalement assez vite pour un petit produit de ce type là qui faisait 6,25 g très exactement. C'était pas désagréable à utiliser mais j'en ressens rien de particulier, je suis pas ni contente ni mécontente du produit. Donc je vous le conseille pas forcément. J'ai pas réellement de remplaçant en termes de sérum éclaircissant pour le moment. Ensuite j'ai deux produits de chez Léa Lany à vous présenter. Pareil, une marque dont on entend beaucoup parler qui est très coûteuse, avec des ingrédients de grande qualité, de très très belles compositions. J'ai tout d'abord terminé le masque visage éclaircissant au nectar, donc le Meliglow. Alors j'ai plusieurs reproches à faire à ce produit. Tout d'abord, heureusement que j'avais gardé la boîte parce qu'en fait rien n'est écrit sur le flacon. Donc les instructions, les ingrédients, il faut le laisser 5 à 15 minutes sur la peau, le retirer avec de l'eau chaude, etc. Si vous gardez que le flacon, bah vous savez plus comment vous en servir. C'est un petit détail mais c'est un peu bête. Un masque avec pas mal de super ingrédients pour redonner de l'éclat à la peau, la nourrir. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces masques un peu couteau suisse qui s'adaptent à votre type de peau en fonction de ce dont elle a besoin, qui vont vous donner un peu d'hydratation, qui va peut-être un peu rééquilibrer aussi tout ce qui est inflammation de la peau, etc. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'était assez satisfaisant. J'ai trouvé la texture trop liquide, c'était une sorte de... comme du miel, donc très épais, très collant, mais ça dégringolait sur le visage et... quand je le gardais sur mon visage debout, parce que je ne vais pas me rester allongée pendant 20 minutes pour faire un masque, ça coulait un peu partout, j'ai trouvé que c'était très désagréable. Donc voilà, à l'usage, j'ai pas adoré. Et le problème avec ces produits, c'est qu'ils sont à utiliser dans un délai qui est assez court. Quoique là, ça a été écrit 12 mois, mais moi j'ai l'impression qu'au bout de 9-10 mois, le truc commençait déjà un peu à rancir. Donc ça, c'est quand même un problème, surtout sur des produits qui sont aussi coûteux. Donc je ne rachèterai pas. Et le sérum éclaircissant Sirène de la même marque, alors qui n'a de sérum que le nom, pour moi c'est une huile, impossible d'utiliser ça comme sérum, c'est gras comme une huile, vous pouvez pas vous maquiller par dessus, donc déjà je trouve l'appellation problématique. Si vraiment vous l'achetez en pensant que c'est un sérum, bah pour moi c'en est pas un. Très agréable à utiliser, une petite odeur un peu d'agrumes, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça sent un peu la mandarine, le citron, c'était vraiment très plaisant. J'ai pas vraiment vu d'effet sur le côté éclaircissant, éliminateur du soin. Voilà, je suis un tout petit peu mitigée sur ces deux produits qui sont très coûteux. Et du coup, voilà, je reste un peu sur mes réserves quant à cette marque. J'ai pas tout testé dans la marque, il y avait des produits qui m'avaient vraiment bien satisfaite, notamment le tonique, je sais plus comment il s'appelle, qui sent la fleur d'oranger, qui est un délice. Mais pareil, voilà, c'est une marque qui me laisse un sentiment un petit peu mitigé. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante légère bouquet floral de chez Melvita. Une mousse nettoyante que j'adore, qui coûte pas cher, qui sent divinement bon. Il y a un petit peu de fleur d'oranger, puis une odeur un peu florale avec, qui est hyper agréable. Donc vous avez de l'eau florale de rose, de l'eau de fleur d'oranger, de l'extrait de narcisse. C'est une mousse qui nettoie tout en douceur, qui fait juste bien son travail. Moi je m'en sers, je m'en servais majoritairement sous la douche. Tout ce qui est mousse, je garde ça pour sous la douche parce que ça vient vite se mettre dans la racine des cheveux et que au lavabo ça m'embête un tout petit peu plus, donc sous la douche c'est très pratique. J'adore la marque Melvita, ils font des produits incroyables pour pas très cher, avec de belles compositions et un label bio, donc je vous conseille sans hésiter. Successeur de ce produit, un nettoyant de chez Aurelia Probiotics, mais je vous en ai déjà parlé, que j'utilise sous la douche, donc je suis pas tout à fait satisfaite, j'en suis pas mécontente, mais je le trouve pas incroyable. Un flacon du démaquillant Yeux spécial maquillage waterproof de chez Mixa, voilà le meilleur, je vous le présente à chaque fois, bien sûr racheté déjà en 3 exemplaires. Ensuite j'ai terminé le Zit Stick, donc le bâton de bouton, c'est un peu mal traduit,
de chez Glossier, donc un petit stylo bien pensé avec un embout, avec une bille qui tourne sur elle-même. Donc vous faites sortir le produit en tournant la base. C'est un produit qui n'a rien inventé, c'est un gel traitant avec de l'acide salicylique. L'acide salicylique est très efficace sur les imperfections, donc Glossier n'a rien inventé, mais ça avait le mérite de très bien fonctionner parce que très ciblé, facile à appliquer. Deux petits problèmes avec ce produit, j'ai mis un temps fou à l'amorcer, vraiment il m'a fallu des minutes entières à tourner le bouchon du produit pour faire sortir les premières gouttes, donc ça c'était très long, et ça se termine très vite, 3,5 ml, voilà, vous n'allez pas vous en servir pendant des mois, c'est certain, surtout si comme moi vous avez quand même régulièrement un bouton par-ci par-là. Donc je pense quand même que je le rachèterai parce que j'en étais très contente, mais c'est sûr que c'est pas le produit le plus économique. En successeur actuellement, j'utilise le gel traitant non asséchant, je sais plus comment il s'appelle, de chez Rennes. Je vous avais fait un article d'ailleurs complet sur mes soins favoris anti-imperfection. D'ailleurs le Glossier n'était pas dedans, mais je crois que je l'avais pas encore testé à l'époque. J'ai terminé l'huile démaquillante délicate au rosier sauvage de chez Paille. Quand vous voyez des petites miniatures de ce genre là, c'est très souvent que je m'en suis servie pendant... j'ai un cheveu sur le visage, pendant des déplacements, des week-ends, etc. Donc là je me souviens plus du déplacement en question, mais bref. J'adore la marque Paille, en revanche j'ai pas du tout aimé cette huile démaquillante, trop liquide, hyper colorée en plus, enfin, j'ai rien aimé, ni l'utilisation, ni l'odeur, ni la texture. Je sais que je ne l'achèterai pas en taille réelle. J'ai pas de successeur pour tous ces petits produits de voyage parce que je prends un peu ce qui me tombe sous la main. Donc Quentin vient de s'installer juste ici en télétravail à côté de moi, donc vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de touches, etc. On va terminer pour les soins visage avec les masques oculaires aux micro-cristaux et collagène vegan de chez Boschia. Une marque dont je reçois assez régulièrement les nouveautés, une marque qui est vendue chez Sephora si je dis pas de bêtises. Alors c'est dommage, je vous ai pas gardé... Oh bah c'est con ça, je vous ai pas gardé... Bon bref, je pensais que je vous avais gardé un emballage vide. Des masques assez intrigants avec des micro-cristaux en effet posés sur une sorte d'hydrocolloïde que vous venez poser sur le dessous de l'œil. Et les micro-cristaux en fait on les sent vraiment pénétrer dans la peau, donc sur une zone du visage qui est aussi fragile, c'est très déroutant et très désagréable. Donc j'ai pas été complètement conquise par la sensation du produit. Je les ai gardés toute une nuit, je vous avoue qu'au bout de 5 minutes j'avais presque envie de les enlever tellement j'avais peur de me retrouver avec des trous dans le contour des yeux. Mais je les ai gardés toute la nuit. Écoutez, mon contour d'œil se portait pas plus mal le lendemain matin, mais la sensation était assez étrange. Alors par contre niveau emballage on n'y est pas, vous avez une boîte carton, dedans vous avez des sachets individuels en plastique et dedans vous avez une sorte de coupelle en plastique dans laquelle les masques sont posés, donc ça fait beaucoup de déchets pour pas grand chose. Donc j'ai pas été hyper conquise et vous n'avez que deux paires de masques par boîte. Je connais pas le prix de la boîte, je vous mettrai ça sous la vidéo, mais quel que soit le prix, je pense que ça sera de toute façon trop cher pour ce que j'aurais pu mettre moi dans un produit de ce type là. Donc j'ai pas été hyper emballée. Ensuite on va passer au produit terminé côté corps. Tout d'abord le gel douche aux zestes de citron et à l'aloe vera bio de chez Avril. C'est un gel douche que j'ai acheté sur le e-shop Casidomi dont je vous avais fait une revue que je vous mets sur l'écran. Je voulais un gel douche un peu basique, neutre pour Quentin et moi, voilà, quelque chose de tout simple. Et puis j'ai vu la marque Avril qui est une marque que j'aime bien, que je connais depuis pas mal d'années. Voilà, je me suis dit que c'était probablement un produit qui allait nous satisfaire. Et en effet, très 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 bon gel douche, doux, mousse juste ce qu'il faut, une odeur de citron hyper délicate, donc vraiment conquis. On est passé sur le deuxième flacon parce que j'en avais acheté deux et c'est celui à la poire je crois et on en est très content également. Donc je vous conseille ces petits gels douches, ce sont des flacons de 500 ml si je dis pas de bêtises. Oui, donc c'est très économique pour une famille et on en a vraiment été ravis. Ensuite toujours côté corps, j'ai terminé la crème riche pour le corps Céramidine de chez Dr. Jart. Je vous avais parlé de cette crème, je l'ai beaucoup aimée. La gamme Céramidine c'est vraiment une gamme qui est pensée pour les peaux sèches chez Dr. Jart. Et il y a beaucoup de produits dans la gamme, vous avez un sérum, une crème de jour légère, une crème plus riche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Cette crème pour le corps qui était vraiment vraiment top, j'ai beaucoup aimé la petite odeur très légèrement citronnée. Elle avait une teinte un peu brune, marronasse, ça c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais une crème riche, épaisse, très réconfortante que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pense que je la rachèterai sans hésitation. J'ai un petit reproche à faire au packaging, alors c'est sûr que c'est joli, hein, des petites boîtes carrées comme ça, mais une ouverture ronde sur une boîte carrée, bah mon courage pour aller récupérer ce qui se cache dans les angles, donc ça c'était pas très bien pensé. Successeur, j'ai un lait pour le corps de la marque 71, je crois, qui est une marque bio, mais qui est pas tout à fait suffisante en termes de nutrition pour l'hiver, donc j'alterne entre cette crème et l'huile prodigieuse de chez Nuxe que j'adore pour le corps.
Ensuite, j'ai terminé le parfum de douche hydratant Neroli Facetti de chez Roger Gallet, pardon. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, j'ai adoré, adoré, adoré ce produit qui sent exactement comme la cologne Neroli Facetti de la même marque. Et j'étais vraiment triste d'arriver au fond du flacon, donc ça je sais que je le rachèterai parce que c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Et je vous le conseille, extrait d'origine naturelle, 200 ml, très concentré en parfum, très doux pour la peau pour autant. Donc je, voilà, je rachèterai sans hésiter. Et donc en ce moment je suis toujours sur le gel douche de chez Avril. Ensuite j'ai terminé le gommage fondant corps à l'huile d'argan de la gamme L'Argan Bio de chez Melvita. Un produit que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà, j'ai déjà fini un ou deux pots par le passé. C'est un gommage qui est top pour le corps, qui a une texture un petit peu gélifiée avec des grains qui sont assez abrasifs à l'intérieur, qui laisse un petit film protecteur sur la peau, donc vous n'avez pas besoin d'appliquer un lait pour le corps ou une crème par la suite. Vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je rachèterai sans aucune hésitation. Je suis passée finalement là sur un gommage de chez Caudalie que j'ai reçu récemment, c'était pour tester autre chose, mais celui-ci je le rachèterai, c'est certain. Parce que je le trouve vraiment top. Ensuite j'ai terminé le shampoing infusé au miel de chez Jisou. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori. C'est un shampoing que j'ai adoré malgré son prix. C'est vraiment très très cher pour un shampoing. Donc je suis pas certaine de le racheter. Parce que j'ai pas des cheveux dans un état catastrophique. Qui nécessite que je mette autant d'argent dans un shampoing. Donc il faut encore que je réfléchisse à ce que je vais faire par la suite. Mais je l'ai beaucoup aimé. Nourrissant. Rendait les cheveux très brillants, très souples. Et pour autant, n'alourdissait pas du tout, donc pas de risque de cheveux gras ou autre. Voilà, c'est un produit que j'ai adoré. Peut-être que je le rachèterai. Successeur actuellement, je suis partie sur un shampoing de chez Florence Nature, dont je vous ai pas mal parlé, le shampoing doux aux protéines de blé et à la mamélisse que j'aime beaucoup, qui coûte 10 fois moins cher que celui-ci et qui fait très bien son travail. Donc voilà, si j'ai envie de me faire une petite folie, je pense que je le rachèterai. Mais c'était vraiment un très très bon produit. Ensuite j'ai terminé, alors un produit que j'ai retrouvé dans mes cartons. Quand on a déménagé de notre appartement en rez-de-jardin à celui qu'on avait là juste avant, on a mis un tiers environ de ce qu'on possédait dans un garde-meuble, donc dans des cartons. Et j'ai plusieurs produits que j'ai retrouvés dans ces cartons, donc j'ai dû faire l'emballage de tout ça un tout petit peu trop vite. Bref, j'ai retrouvé donc l'après-shampoing crème fondante à la mangue et fleur de tiare de chez Ultra Doux, donc de la gamme Ultra Doux chez Garnier, donc un produit qu'on trouve en grande distribution. Écoutez, c'est un après-shampoing que j'ai trouvé très satisfaisant, qui est formulé sans parabènes. Alors la composition, je pense qu'il ne faut pas trop s'y pencher quand même, ça ne doit pas être incroyable, mais un bon petit après-shampoing qui faisait bien son travail, qui démêlait bien, qui sentait bon, donc écoutez, je l'ai utilisé avec plaisir. Et je suis passée du coup sur un autre après-shampoing de chez Timothée, pareil, que j'ai retrouvé dans mes cartons. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai cet après-shampoing de chez Ultra Doux, mais je suis forcée de constater que j'étais quand même très contente de ce produit. Et ensuite, je me sépare à regret, mais là j'ai plus le choix, de ma wet brush, qui est pleine de cheveux parce que je la mets à la poubelle. Alors cette brosse, elle a toute une histoire, je l'ai achetée ou je l'ai reçue, je ne sais plus, il y a un paquet d'années en arrière. C'est une brosse qui est idéale si vous avez beaucoup de cheveux, beaucoup de nœuds dans vos cheveux et que vous voulez démêler sans trop casser vos cheveux. Le truc c'est qu'à force de m'en servir, les picots sont quasiment tous à l'horizontale, voilà, tellement elle est abîmée. Au bout de chaque tige, vous avez un petit picot et en fait les picots tombent les uns après les autres. Donc là je commence un peu à m'irriter le cuir chevelu et ça fait des années que je l'ai, genre 7, 8 ou 9 ans. Donc il est vraiment temps que je m'en sépare. Et je voulais vous en parler parce que c'est une brosse qui est fabuleuse et qui va vous durer un paquet d'années. Hein, parce que vous voyez, moi ça fait très longtemps que je m'en sers. Je pensais la racheter et en fait je me sers actuellement d'une brosse à cheveux de chez Bashka, qui est une très très belle marque française. Donc c'est rien à voir avec celle-ci qui est pas très jolie. En plus elle existe dans plein de couleurs mais parfois des motifs un peu criards. Chez Bashka, c'est une belle brosse avec un manche en bois, un peu de peinture blanche, des petites dorures dessus. C'est une marque qui fait vraiment de très très beaux accessoires capillaires. Il faut aussi des pinceaux pour le visage. Et la brosse de chez Bashka est pas tout aussi bien que la wet brush, mais elle est très correcte. Donc pour le moment, j'ai pas racheté la wet brush et on verra à l'avenir. Ensuite, les produits terminés côté maquillage, un tube de CC crème en teinte light de chez It Cosmetics. Je crois que c'est mon produit teint préféré en termes de fond de teint, etc. Alors CC crème, il ne faut pas trop se faire avoir par le nom. C'est aussi couvrant qu'un fond de teint très couvrant, c'est très longue tenue, il y a un SPF 50. La teinte est parfaite pour moi et ça fait des mois, des années que je vous en parle. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc bien sûr je l'ai racheté, j'ai même encore un autre flacon d'avance dans mes tiroirs et je l'aime beaucoup. Donc aucune raison de chercher autre chose en termes de fond de teint. Ensuite j'ai terminé, alors petite déception, la Dior Skin Mineral Nude Matte, donc une poudre visage de chez Dior. Au bout de quelques utilisations, le capot s'est détaché du fond du produit, donc je ne l'ai pas acheté, c'est Dior qui me l'avait envoyé, mais alors, franchement si j'avais payé pour ça j'aurais été
bien triste. C'est vraiment le plastique qui s'est rompu derrière et c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des produits de chez Dior, donc je trouve que c'est quand même assez décevant. C'était la teinte translucide. Alors c'est une bonne poudre, je connais mieux dans le domaine, notamment la poudre It's Bananas de chez Too Faced que j'adore et que je pense que je vais finir par racheter. C'est une bonne poudre visage qui est matifiante mais pas trop tant non plus, qui a un beau fini sur la peau mais il existe mieux. Voilà, elle est très correcte mais je pense qu'on peut trouver bien mieux pour moins cher en plus. Successeur, écoutez, je l'avais reçu dans deux teintes, donc la teinte translucide qui est celle-ci et la teinte, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais une teinte claire que j'utilise actuellement. Ça fait vraiment l'affaire et je vais pas faire ma capricieuse à racheter d'autres produits alors que j'ai déjà mes tiroirs qui en débordent, mais voilà, je pense qu'on peut trouver vraiment mieux. Ensuite je me sépare à regret, mais là vu l'état aussi il faut que j'arrête, de ce goupillon de chez Make Up For Ever dont je me sers pour me brosser les sourcils le matin après m'être maquillé le visage. Je sais pas si vous voyez dans quel état il est, mais franchement là il est bon pour la poubelle, j'ai tout essayé mais je peux plus le rattraper. Donc poubelle, je voulais en racheter un, en fait j'ai jamais trouvé de goupillon seul, c'est toujours des goupillons avec des pinceaux au bout. Et en fait en fouillant dans ma collection de pinceaux, j'ai un goupillon avec un pinceau de l'autre côté de la marque Anastasia Beverly Hills et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, je me sépare de celui-là de chez Make Up For Ever que j'ai depuis plus de 10 ans. Voilà, donc bien rentabilisé. Et ensuite j'ai retrouvé en fait en fond de mon tiroir là où je range mes produits terminés, la base d'Urshow Maximizer, je voulais vous la présenter dans l'ancienne vidéo, je la retrouvais pas, bah, la voici. Donc une base pour les cils qui est top, qui nourrit, qui protège les cils, qui les renforce. J'utilise ça avant mon mascara depuis des années, il n'y a pas une journée où je ne m'en sers pas. Et j'avais également une petite miniature que j'ai terminée. Est-ce que je l'ai racheté? Et bien figurez-vous que non, parce que j'avais envie de tester autre chose. Et finalement j'ai racheté la base Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Donc le même principe mais dans la marque L'Oréal que j'avais déjà testé quelques mois ou quelques années en arrière. Alors qui n'est pas aussi bien que celle de chez Dior mais qui coûte 3 fois moins cher. Donc voilà, c'était pour éviter de repasser une commande chez Sephora juste pour avoir cette base pour les cils. Donc voilà pour tous les produits terminés, corps, cheveux, visage, etc. Et ensuite j'ai deux compléments alimentaires à vous présenter. Tout d'abord le complément alimentaire On veut la peau plus pure de chez Atelier Nubio, une très belle marque de compléments alimentaires et de jus, notamment pour des cures de jus que vous pouvez faire à domicile, donc d'origine française, hein, tout est fait dans leur laboratoire sur Paris. J'ai testé d'ailleurs une cure de jus de cette marque, donc le principe c'est de boire des jus frais pendant une journée entière pour faire vraiment une détox complète du corps, enfin complète. Si vous faites 3, 4, 5 jours c'est encore mieux, moi j'ai fait une journée, c'est la marque qui m'avait envoyé cette cure. Et je vous ai fait un article complet sur mon expérience, mes ressentis que je vous mets sous la vidéo. Et la marque m'avait également envoyé donc des compléments alimentaires. Donc celui-ci contient de la bardane, de la pensée sauvage, du pissenlit et du curcuma. Et le principe c'est vraiment de purifier la peau de l'intérieur. Ce qui est top c'est que si vous n'aimez pas les gélules, les comprimés, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, et bien ça c'est sous forme liquide. Donc le principe c'est qu'une pipette fait 1 ml et qu'il faut utiliser entre 5 et 10 ml de mémoire. Voilà, 5 à 10 ml à boire le matin dilué dans un verre d'eau. Donc vous faites soit 5 pipettes soit 10 tous les matins dans un verre d'eau, donc ça vous évite d'ingérer des gélules, des comprimés si vous n'aimez pas ça. Ça n'a globalement aucun goût ou alors si peu que ça se sent à peine. Donc ça se prend très facilement. J'ai pas trouvé les effets aussi incroyables qu'avec la cure Pure Glow par exemple de chez M Skincare. Pareil, décidément, je vous avais fait un article, je vous le mets sous la vidéo. Donc les résultats sont pas aussi incroyables qu'avec cette cure, mais c'était quand même très satisfaisant et ça avait vraiment l'avantage de se dérouler sans encombre. Ça pèse pas sur l'estomac, pas de nausée. Je vais vous en reparler après avec un autre complément qui pour le coup me pose davantage de soucis. Je vous le redis, mais voilà, cette idée que c'est en format liquide, c'est très pratique. Donc ça m'a quand même débarrassé ma peau de quelques boutons, ça m'a redonné un petit peu d'éclat. Mais c'est vrai que les résultats sur moi ont été moins impressionnants qu'avec d'autres cures. En revanche, ces effets-là, c'est très personnel. Donc selon les personnes, vous serez peut-être davantage satisfaite de ce produit. Est-ce que je continue? Écoutez, ils m'ont renvoyé un flacon. Donc je le continuerai dans quelques mois avec plaisir. Ensuite, j'ai fini un mois de compléments alimentaires de la marque Épicure. Donc je vous en ai parlé sur Instagram. Épicure, c'est une marque de compléments alimentaires à nouveau d'origine française qui vous permet d'obtenir des compléments alimentaires vraiment ciblés à vos besoins, vos demandes, votre type de peau, votre façon de vivre, votre âge, etc. Votre état de santé aussi. Vous avez un questionnaire à remplir en ligne qui est très complet, qui passe vraiment en revue. Bah, est-ce que vous habitez en ville, à la campagne? Quel âge vous avez? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes un peu nomade ou est-ce que vous êtes hyper sédentaire et que vous ne bougez pas du tout de chez vous, etc. Donc, c'est assez pro dans le domaine et j'ai trouvé que le petit questionnaire était assez complet. Et vous recevez ensuite des gélules chez vous avec donc
des ingrédients ciblés en fonction de vos besoins. Donc moi, dans mon sachet de 1 mois de gélules, j'avais donc un extrait d'échinacée, poudre de spiruline, vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine B6, sélénium, zinc et cuivre. Voilà. J'ai terminé un mois, j'ai reçu une recharge, donc je suis repartie sur un nouveau mois. Écoutez, je suis très contente de ces compléments alimentaires. Ça m'a donné un petit coup de boost que je remarque moins maintenant parce que je le prends en continu. Mais les premières semaines, j'ai vraiment senti un petit regain d'énergie. En dehors de ça, ça me donne la nausée, pas possible. Si je les prends à jeun, pas à jeun, en mangeant, j'ai essayé de les mettre au frais. L'une de vous m'avait conseillé, j'ai pas vu de différence. Quelqu'un m'a dit que le sélénium et le zinc pouvaient donner des nausées. C'est vrai, j'avais pris du zinc, notamment pour des problèmes de peau, quelques années en arrière. Et c'est vrai que ça donnait vraiment très très envie de vomir le matin. Donc ça vient probablement de là. Mais voilà, je fais avec. Mais vraiment, c'est très identifiable. 20 minutes, 30 minutes après l'avoir pris, c'est vrai que j'ai la nausée pendant 5 minutes. Donc c'est pas hyper agréable. Et les gélules sont assez grosses. Voilà, je continue ma cure parce que c'est pas un effet indésirable incroyable, mais je tenais quand même à vous le préciser, sachez que c'est ce que je ressens. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.